Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « La vertu du martyr et la place des martyrs auprès de leur Seigneur ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et auprès de leur Seigneur, les martyrs auront leur rétribution et leur lumière ». J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé, que notre maître au prophète Mohammed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, certes, le martyr est une grande place et un sublime degré. C'est la finalité la plus haute de nos nobles et le grand souhait des honorables. Oh, le martyr se sacrifie son âme pure pour sa religion, ses siens et sa patrie. C'est pourquoi notre prophète, salut et bénédiction sur lui, souhaitait se martyriser plusieurs fois dans le sanctuaire d'Allah, où il dit « Je jure par celui qui tient mon âme que je souhaite de combattre dans le sanctuaire d'Allah pour être tué, puis de revenir à la vie pour être tué, puis de revenir à la vie pour être tué, puis de revenir à la vie pour être tué. » Elle dit également « Personne n'a envie de revenir à la vie après la mort » et donc s'approprier de ce qu'il vaut que le martyr qui souhaite revenir à la vie pour être tué 10 fois en raison de l'honorabilité qu'il reçoit lors de son martyr. Allah, gloire à lui, accorde des grandes vertus et une sublime place au martyr où il dit « Quiconque obéit à Allah au messager, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ce bienfait, le prophète, le véridique, le martyr » et les vertueux, et quels compagnons que cela. Lorsque la mère de Haritha ibn Suraqa, qu'Allah l'agré, vint au prophète, salut bénédiction sur lui, lui dire au prophète d'Allah, puis-tu me parler de Haritha, Haritha qui était tombé martyr le jour de Badr, le prophète, salut bénédiction sur lui, de répondre, Om Haritha, il s'agit du jardin dans le paradis. Ton fils en louge le plus haut degré. Le négoce de martyr est toujours gagnant auprès d'Allah. Gloire à lui qui dit, certes, Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Allah a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Le prophète, salut bénédiction sur lui, dit « Je jure par celui qui tient mon âme que toute blessure se fait dans le sentier d'Allah. Allah sait parfaitement celui qui se blesse dans son sentier. Viendra le dernier jour la couleur de la blessure et celle de sang alors que son odeur est celle de musc. » Le martyr sont vivants et recevront leur subsistance auprès de leur Seigneur, étant qu'ils sont gravés dans la mémoire des nations et patries qui n'oublient jamais leur héroïsme et sacrifice. Allah, gloire à lui, dit, et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Lorsque le père de Jabir ibn Abdullah tomba martyr, le prophète, salut bénédiction sur lui, dit à Jabir, « Veux-tu que je t'apporte la bonne nouvelle de ce que Allah a accordé à ton père ?»« Si, au messager d'Allah, répondit Jabir. » Le prophète de reprendre, « Allah ne parle quiconque que derrière un voile. Pourtant, Allah a ressuscité ton père et lui a parlé directement lui disant mon seigneur souhaite mon serviteur souhaite et je te l'exauce ton père dit mon seigneur je souhaite que tu me ressuscites pour que je sois tué dans son sentier dans ton sentier Allah gloire à lui dit il précède dans mon omniscience qu'ils c'est à dire le mort ne reviendront pas à la vie ainsi fut révélé le verset ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vos frères étaient tués à Uhud, Allah mit leurs âmes dans les ventres des vers oiseaux qui se promènent sur le ruisseau du paradis
en mangeant des fruits et se réfugie vers l'eau et vers des chandis accrochés à l'ambre de trône. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, ainsi que lui suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, le vrai martyr est celui dont l'appartenance à la religion et à la patrie est sincère, d'où il s'y sacrifie le précieux. Le martyr au courageux, libre, qui refuse la bassesse et rejette l'humiliation. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque combat pour que la parole d'Allah subsiste la plus élevée est martyr. » Il dit également « Quiconque est tué en défendant ses biens, sa famille ou sa religion est martyr. » Célébrons ces jours bénis la mémoire de la victoire glorieuse du 6 octobre où nos braves soldats tracèrent le plus sublime le page d'héroïsme et de sacrifice pour remporter l'honneur de l'ici-bas et la dignité de l'au-delà, nous renouvelons dans nos âmes le sens d'héroïsme, de sacrifice et de sincérité pour notre grande patrie. Ô Allah, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.